Salut tout le monde, aujourd'hui on répond à la question de Marco de Tournai qui m'a demandé comment se passait un dépistage des IST. Eh ben pour le savoir, je suis venu avec le doc. Alors doc, comment se passe un dépistage des IST? Salut Capotman, salut Marco. Donc passer un test de dépistage, c'est le seul moyen de savoir qu'on est infecté par une IST ou pas, parce que souvent il n'y a pas de signes visibles. Attends, quoi, tu veux dire que je peux être infecté par une IST sans le savoir? Oui, tout à fait. Dans la majorité des cas, on peut être infecté sans le savoir, et en ayant des rapports sexuels non protégés avec son ou sa partenaire, ben, on peut transmettre l'IST à la personne. Concrètement, comment ça se passe? Il existe plusieurs sortes de dépistage. Pour le VIH, la syphilis, l'hépatite B et C, il faut faire une prise de sang. Ok. Pour la chlamydia, la gonorrhée, il faut faire un prélèvement urinaire. Et enfin, pour l'herpès et le HPV, il faut faire un frottis ou un examen clinique. Ok, d'accord. Donc voilà, imaginons, je sors le week-end, j'ai une prise de risque, le lundi, boum, je vais faire le test. Ah non, 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 pas du tout. Il faut attendre un certain nombre d'années d'attente pour que le test lui soit fiable. Le VIH, il faut attendre 6 semaines. Les hépatites et la syphilis, il faut attendre 3 mois. Ah ouais, Et quand les même. autres IST, c'est 3 semaines. Et quoi, et si j'y vais avant, c'est quoi le problème Bah, alors? ce qui va se passer, c'est que tu auras un résultat qui sera pas fiable. Et donc, et dire que tu as peut-être une IST et tu pourras la transmettre comme ça à une personne. Pendant le délai d'attente, il est indispensable d'utiliser le préservatif pour ne pas transmettre. Merci pour toutes ces explications et ce bon petit conseil. Alors, il nous reste plus qu'à nous dire à une prochaine fois parce que là, c'est le dernier épisode de l'été. Eh oui, donc Capotman et le Doc reviendront, mais on ne sait pas quand. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.